Je suis l'inspecteur Tom Leroy. Je viens d'avoir un accident avec ma voiture. Ma femme est à l'intérieur. Mon rôle, c'est le rôle de Tom Leroy, qui est un policier belge d'un petit commissariat des Ardennes à la frontière franco-belge. Un tout petit commissariat où il se passe pas grand-chose. C'est un de ces gens bien dont on parle, donc un type très banal et qui aspire à une vie toute simple avec son épouse. Il y a un petit grain de sable qui vient se mettre dans l'engrenage de ce petit bonheur précaire et qui va le confronter à des choses extraordinaires et le forcer à faire des choses qu'il n'avait jamais imaginé devoir faire un jour. Je joue le personnage de Linda, un personnage un peu mystérieux au début de la série, et puis on comprend un peu mieux comment l'intrigue tourne autour d'elle et de Tom, son mari. Oui, c'est un personnage qui est très naïf, qui est très lumineuse et qui a une grande force de croire au positif et que ça va aller. Là où moi, je pense que je peux être un peu plus cynique. Il y avait évidemment beaucoup de choses à chercher, et puis il y avait ce couple aussi à trouver avec Tom, son mari. Enfin, c'était très important pour les réals qu'on croit à ce couple, parce que c'est quelque chose qui sous-tend quand même un peu toute l'intrigue. Tous les obstacles qui se mettent dans leur chemin, ils essayent de les surmonter aussi l'un pour l'autre. Donc ça, c'était très important de travailler ça aussi. Tous les réalisateurs, je crois, sont pas capables de la même manière de diriger des acteurs. Et Mathieu, il a une pratique de ça, un peu artisanale. Enfin, c'est peut-être parce qu'il connaît bien le théâtre aussi. Je trouve qu'il a une facilité vraiment à parler de manière très pratique des enjeux et des ressorts d'une scène. Enfin, et à diriger les acteurs comme ça. Je commençais à avoir de l'expérience au théâtre. Et cependant, quand je suis arrivé devant la caméra, la première semaine, elle était épuisante parce que je cherchais quel était le rapport qui n'est plus le rapport public qu'on a direct au théâtre. Il y a un dialogue qui s'est créé et j'ai commencé à prendre mes repères, quoi. Bonjour tout le monde. Michel, accidentologue. Ce sont les photos de Tom Leroy prises hier soir. C'est peut-être lui qui a mis le feu. Je connais le bonhomme. C'est des gens bien. Je t'aime. Maintenant. Mathieu m'a téléphoné, il a dit on a déjà écrit un rôle et on a pensé pour toi, c'est écrit pour toi. Et j'ai lu et immédiatement j'ai dit je veux le faire parce que c'était très bien écrit, et c'était un personnage typique. Et là j'ai dit oui, on y va, et j'étais content de rentrer dans l'histoire. Je joue Serge. Au début de l'histoire, il sort de prison et on ne sait pas pourquoi il était dans la prison. J'avais déjà joué des rôles un peu bruts, un peu sauvages, un peu agressifs. Le travail, c'était de chercher les limites du personnage, mais de ne pas rentrer dans la caricature. Je ne sais pas, mais je pense que ça s'est bien passé.